Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ici c'est le matin. Salut Ellie. Ah oui, Eliora s'est transformée en Josette. Tu veux venir sur mes genoux? Du coup, hier j'ai pas du tout pu vlogger parce que j'étais vraiment très très mal. Je suis encore un peu mal ce matin. Donc je fais une crise de foie et j'ai une toute petite tension. Je pense que c'est la fatigue et voilà, parce que j'ai 9-6 de tension encore ce matin, ce qui est vraiment pas énorme. Et du coup là je suis en train d'essayer de monter le vlog, pas d'hier parce que hier j'ai pas pu filmer du tout, mais d'avant-hier. Et je pense que ça se voit là, j'ai les yeux, le contour des yeux bien rouge quand même. Et voilà, je vais y aller tout doucement. Ma maman elle va venir en fin de matinée à la maison. Et puis là, il y aura un regard d'Harry Potter pendant que je fais mon petit montage. Est-ce que tu as dit bonjour? Tu sais aboyer? Mon amour. Je suis Josette. Bon, un petit moment d'inattention et Eliora m'a foutu des trucs dans les cheveux. Ça va être terrible à retirer. C'est interdit, c'est écrit dans le mode d'emploi, il faut pas les mettre dans les cheveux. Oh là là, quelle galère. Pourquoi t'as fait ça? C'est écrit pas dans les cheveux. Bon, ça j'ai eu de la chance, elle a juste posé quoi, mais... Bon, nous on a fini de manger, il y a mamie qui est arrivée, qui va m'aider à m'occuper d'Eliora parce que je suis encore au bout de ma vie. Et là, elles ont dévalidisé mon calendrier de l'avant-anniversaire. Et elles sont en train de manger tout le chocolat. C'est bon mon cœur le chocolat? Oui. Ouais, hein. Aussi, il y a du bien que le chocolat. Ah oui, il y a plein de chocolat. Bon, les petits pandas, on se retrouve vachement plus tard, il est 16h. Et là, on part entre nénettes. Tu me feras penser à mon ordi? À ton ordi, bien sûr, maman. Je le prends avec moi ou pas? Non, ne le prends pas. On t'a déjà cassé une fenêtre, hein, tu vois, on va arrêter de tenter le diable maintenant, comme on dit. Donc nous, on va à Vélizy 2 faire quelques courses, un petit peu les soldes, voir ce qu'on trouve. Et il y aura, faut que je te prenne des petits pantalons et des trucs comme ça parce qu'elle a vachement grandi. Donc direction les soldes, voilà. Oh mamie, les soldes, ça te tente? On va essayer. Ça se tente. Bah, j'ai pas dit que j'avais la fenêtre. Mais il y en a plein que je fais pas garder. C'est où les placards à cravate? Les placards de cravate. Bon, ça fait une demi-heure qu'on cherche une place. C'est un peu le désespoir ici. Eliora, t'as trouvé une place? Non. Ah zut. Zut alors. C'est bête. Tu veux suivre le monsieur, maman? Bah oui, mais je sais pas où il va. Moi non plus, mais faut ralentir. Non, mais je vais aller. Bah non, je peux pas. Oui, ils viennent d'arriver. Franchement, c'est la galère. Hein. Ah, V2, faut avoir votre parking. Ouais, c'est très rare. Non, c'est rare. Rare, hein, quand c'est même rare. C'est doit y avoir, ça doit être vraiment blindé. Ouais. Parce que c'est le premier week-end des soldes, non? Ouais. C'est pour ça. Mais tu sais, maman, faut peut-être continuer là-bas. Hein. Franchement. Peut-être continuer jusqu'au bout dans les places dans le souterrain. Là. Non, le souterrain, c'est pareil. Il n'y avait pas de place. J'ai regardé. Il y a le nombre de places de dispo. C'est chaud. Là, c'est chaud. Une demi-heure qu'on tourne, c'est chaud. Mais ça va, Ellie, elle est super sympa. Hein. Maman, c'est quoi les handicapés? C'est quoi les handicapés, ma chérie? On t'a expliqué. Ah oui, non mais parce que je viens de lui dire, elle pose cette question parce qu'elle me dit il y a une place. Alors je lui dis oui mais non, ça c'est une place bleue, c'est une place pour les handicapés. Mon amour, les handicapés, c'est des personnes qui ont pas les mêmes capacités motrices que toi et moi. C'est des gens qui ont moins de chance que nous en fait. C'est tout. Non. C'est pas de leur faute. Non. Bon, ça y est, on vient enfin d'arriver dans le centre commercial. Il y avait pas de place quoi. C'est comme c'est le premier week-end des soldes, je pense qu'il y avait plein de monde, mais on était ultra motivés, on voulait absolument aller faire les soldes. Tu voulais faire les soldes? Ouais! Maman! Nous, on vient d'arriver et on fait une pause. Gaufre! Ah, elles se sont toutes écrasées! Oh là là! Mais mamie, elle en a pris une crème de marron qui a l'air aussi bonne. Nous, ça s'est tout écrasé. Bon, nous on vient de terminer notre shopping, mais on va revenir lundi parce qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup trop de monde. Sinon on a trouvé toutes les deux nos priorités, parce que nos priorités c'était pas mal. Je voulais une paire de chaussures pour le ski, elle s'est trouvée une paire de Timberland grise trop belle. Enfin c'est moi qui lui ai trouvé, parce que je les ai trouvées trop belles. Et mon frère m'avait dit juste avant que lui il partait au ski avec des Timberland. Donc hop, nickel, elle a une paire grise mais juste magnifique. Je pense que je lui emprunterai si j'en ai besoin. Et moi je me suis trouvé ma doudoune, c'était quoi la marque maman? Villa. Ouais, la marque Villa.
VIELA. VIELA, voilà. La zouzoune a été à 150 non soldés et elle passait à 90 soldés. Bah, elle était à moins 30. Moins 30 et après il y avait les moins 15 de la carte Printania avec. Donc du coup ça me faisait encore une réduction supplémentaire. J'ai payé 89€ et débrouillade, donc ça fait genre 90€. Et franchement elle est en 100% duvet, elle est longue, je vais vous montrer à la maison. Je suis très contente parce que je m'attendais pas à trouver ça. Après j'ai pris du S et j'aurais préféré du XS mais il n'y avait pas de taille. Mais clairement vu que c'est pour New York, je vais avoir un gros pull dessous et tout, je serais bien mieux comme ça. Même si je veux mettre ma petite polaire de ski avec, je serais beaucoup mieux comme ça. Au moins pas de prise de tête. Et là on rentre doucement à la maison. Et après maman elle peut pas rester dîner parce qu'elle a des trucs à faire, elle doit faire une galette. Pourquoi tu dois faire une galette? Ah oui, parce que demain je fais la galette chez elle. Papa Loïs lui ce soir il est à Calais, il fait la fête, il fête les 40 ans d'un de ses amis. Moi j'ai préféré pas venir parce que j'étais vraiment pas en état de toute façon. Donc voilà, on est contentes, on a passé un bon moment toutes les trois, on a mangé des gaufres. Ouais c'était cool hein. Il en reste une. Alors Eliora, depuis un moment maintenant, depuis hier, c'est parce que j'ai transformé en Josette. Elle se transforme en Josette, oui, donc mon chien. Voilà. Donc elle aboie, elle marche à quatre pattes, tout va bien. Et elle ne veut qu'on l'appelle que Josette, et voilà. C'est très drôle. Sur les petites fois. Donc elle ne parle plus. Bon, nous, on se retrouve tranquillou à la maison. Eliora est un peu fatiguée. On a croisé une abonnée aussi, toute mignonne. Coucou à toi si tu passes par là. Je te retransforme en Eliora. Non. Elle veut plus se transformer en Eliora. Elle veut rester en Josette. Pourquoi c'est mieux d'être un petit chien, chérie? Je sais pas. Eliora, elle a été gâtée par sa mamie. Regardez, elle a eu les trolls. Alors en fait, dans la boîte, elles étaient attachées, celles-ci, et maintenant elles sont plus attachées. Elles étaient pas attachées du tout. Ouais, en fait, normalement, elles sont attachées dans le dessin animé. Donne, chérie. Je vais les attacher. Tiens. Comment ça s'appelle Poupi? Ça s'appelle Poupi? Non, c'est juste ça en fait qu'ils retiennent, mais ça se referme. Ah, si, là. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Je sais pas si tu vas y arriver comme ça. Non? Bon, on essaiera tout à l'heure. Non, mais faut le faire bien. Pour que ce soit joli. Ouais. C'est oui, c'est limite. Hein. C'est limite. Hein. Ouais, fais voir Poppy. Alors, elle est comment Poppy, chérie? Elle te plaît, Poppy? C'est la princesse Poppy. Et les sœurs siamoises. Oh. Bah, ça tient pas alors. Ça tient pas. C'est quoi qui est tombé? C'est la couronne de Poppy. Ouh là là, ça tient pas. Et où la couronne? Elle dit cherche, mets-toi par terre. Non mais ouais, Eliora, elle l'a vu. Ramasse la chérie. Bon, Poppy, elle est toute mignonne, Poppy. Eliora, elle voulait des trolls. Y a rien pour la tenir. Bah, on va essayer de mettre ça bien. Ça te plaît, mon cœur? Normalement. Calmer des enfants, je crois qu'il n'y a rien de mieux que la musique. Et je trouve que Norah Jones, elle marche très bien. J'ai pas très bien compris, chérie. Là, j'ai mis du poulet dans la friteuse sans huile. Hop, et je vais mettre le brocoli à cuire aussi. Je sais pas ce que je vais faire avec. Eliora va pas me le manger, le brocoli. Je vais quand même l'essayer, mais elle va pas me le manger. Il faut que je fasse un truc pour aller avec. On va voir. Du coup, Eliora, elle a le petit poulet. Je lui mets quand même un brocoli, on ne sait jamais qu'elle a envie de le grignoter. Et ça, ce sont des pâtes de semoule bio. Là, c'est aux épinards, à la tomate et nature. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est en forme de mini. Là, c'est mini. Là, il y a Mickey. Là, c'est Picsou. Ici, c'est qui? Ça doit être Dingo, ça. Je sais pas trop. Ouais, ça, c'est Dingo. Celui-là, c'est Dingo. Ça, c'est un Dingo raté, peut-être. Ouais. Là il y a Daisy, Picsou, et encore un mini là, enfin vous voyez c'est des personnages de Disney, du coup je me dis que peut-être elle va les manger. Puis c'est assez, c'est cool quoi, des petites pâtes comme ça.
Donc je vais lui apporter ça et moi je vais manger ça avec ça. Voilà, tout simplement. Et ça va comme de la musique. Ça c'est quoi? Je vois pas, ça doit être Daisy. Non, c'est Daisy, ouais. Bon appétit mon cœur, elle mange bien. Bon là elle vient de se lever, elle sait que je veux pas trop qu'elle se lève, mais elle vient de se lever parce qu'il y avait sa musique préférée je crois. Tu viens à table chérie s'il te plaît, sinon on va éteindre les trolls. Bon, je lui ai repris des duplos parce qu'on n'avait pas beaucoup et du coup on est en train de s'amuser, il y avait des plaques donc on a déjà fait ça. Et là on est en train de faire ça. Tiens mon cœur, j'ai trouvé la plaque blanche, faut la mettre à côté de la noire, à côté de la noire. Regarde, qu'est-ce que t'as fait? Ça on n'a pas besoin, c'est là, à côté de la noire, là. Vas-y mon cœur. Et du coup, comme on trouve pas tout, on a tout mis par terre. Moi, j'avais mis les duplos là-dedans, mais évidemment, c'est trop petit maintenant. Je vais les remettre dedans, même je laisserai la boîte ouverte. Mais je trouverais bien une jolie petite boîte pour les mettre. Hop, là. Si vous avez des idées, vous me les mettez en commentaire. Tu vois? Oui. Comme ça. Et maintenant, il faut trouver les deux comme ça, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire toi, c'est ça? Mais tu t'en sors très très bien, mon cœur. Et maintenant, il faut que tu trouves l'œil et le bas. Comme ça, t'as vu la forme? Regarde, là, moi, je le vois d'ici, l'œil. Oui, bravo. Donc, tu le mets en haut. Si tu veux. Il faut que tu trouves la même pièce que ça, mais sans l'œil. Mais la même. Cherche, mon cœur. Vas-y, mon ange. Non, c'est pas ça, c'est du orange. Alors, moi, je la vois. Je la vois. Je la vois, elle est à côté de ta main. À côté du chat noir. Regarde, chérie, à côté du chat noir. Oui, bravo. Tu termines dans l'autre sens mon cœur, dans l'autre sens. Il est mis à l'envers là, vas-y. Tourne-le. Waouh, regarde, il est trop beau ton poisson. Nage, nage, petit poisson. Ensuite, vole, vole, petit oiseau. Tourne, tourne, petit moulin. Tape, tape, petite main. Maintenant, moi, je vais tout. Bravo! C'est l'heure de l'histoire, mon amour? C'est l'heure de lire une histoire? Oui? Oh, bah les doigts dans le nez, c'était gratuit, ça? T'es fatiguée, hein? Et tu as dit que tu prenais plus la tétine? Non. Tu prends plus du tout la tétine, c'est bien. C'est quoi? Tu veux faire ça? Tu veux l'histoire de Belle? Oui, de Belle. On va chercher. On lit 5 minutes pour s'endormir. On va chercher l'histoire de Belle. Tu vois l'histoire de Belle? Bah elle est pas là déjà. T'es où? Elle est là. C'est bon. Belle et l'invention extraordinaire. C'est parti, on lit l'histoire du soir. Tu dis bonne nuit les pandas? Bonne nuit les pandas. Tu leur fais des bisous? Moi. Mouah. Mouah. T'es trop chouquette. Bon voilà, Eliora dort. Et moi avant de me coucher je voulais vous montrer ma doudoune quand même. Alors je vais essayer de vous caler de façon un peu plus si vous voir bien. Là, ça, là c'est mieux, là, je crois que c'est mieux. Mais bien. On est au top les amis. Normal, tout va bien. Normal, je suis comme ça dans mon entrée. Je crois que j'ai passé trop de temps avec les petits jeunes là pendant 4 jours. J'ai passé trop de temps avec les jeunes, pas possible. Il y a des séquelles. Donc la doudoune, la voici. Et donc la marque c'est Villa. Et en fait ce genre de doudoune ça coûte normalement genre une blinde. Les doudounes blondes c'est du duvet de lin. On vous dit faites bêtises, ils vous disent c'est du duvet de canard et des poils. Donc c'est ça qui tient chaud en fait. Et donc elle était à 149,99 et elle était à moins 30 plus moins 15. Du coup je l'ai payé 89 euros. C'est une doudoune longue, extra, qui va me donner un rouge, bien épaisse. Et ce que j'adore, c'est ça. La capuche. La capuche, elle est ouf, les amis. Donc, je vais vous montrer. Bon, quand je ferme, c'est mieux. Hein. Elle me tombe pas comme ça. Elle me tombe pas trop sur les... Elle est canon, cette capuche. C'est de la fausse fourrure. Hein. Venez pas vous imaginer des trucs. J'ai pas les moyens de toute façon.
Bah bref. Attendez, je vais la fermer. Voilà. Là, mes cocos, à New York, j'aurais pas froid avec ça. Enfin bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye! Et voilà, cette journée avec nous est maintenant terminée. On est quand même un peu plus en forme, Elura et moi, aujourd'hui. Vous pouvez l'entendre, elle est trop contente d'avoir trouvé son père. Sinon, si cette vidéo t'a plu et que tu n'es pas encore abonné, je vais parler un peu plus fort. Tu peux t'abonner, c'est complètement gratuit. Pour ça, t'as juste à cliquer sur ma tête. Je te mets également une autre petite vidéo que tu n'as peut-être pas encore vue. Et je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!